Señora esposa, quiero favor abordar por la puerta número 5. Último llamado para la puerta cerca. Número 2845. Tu peux m'appeler quand tu veux, t'as mon numéro, et moi je rentre du coup dans un mois, et puis pour le... Ah oui, le virement aussi, je voulais te dire, si tu peux me le faire dans la journée, c'est mieux pour moi. Et puis voilà, voilà, j'ai les clés là, je peux te les donner, et si t'as des questions... En fait, je suis désolée, mais j'ai pas tout compris. Dans un mois, je dois te faire le virement. Ah, le virement, non, je disais dans la journée, c'est mieux, et sinon je rentre dans un mois, oui. Oui, oui. Mais comment ça, tu rentres dans un mois? Tu m'avais dit que le contrat, c'était pour un an. Un an? Ah non, 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 on ne s'est pas compris, je suis désolée, on avait dit un mois, pour moi, c'était ok. Et on n'a pas dû, ouais, on n'a pas dû se comprendre, mais c'est ça qui était convenu à la base. Et en plus, je dois vraiment filer là, donc je suis désolée, je te file les clés. Vraiment, n'hésite pas à m'appeler, tu fais comme chez toi. Ouais, salut, ça va? Oui, oui, ça va bien. Ma nouvelle locatrice. Ok. Il est déjà. C'est ma voisine, c'est ma copine dont je t'ai parlé justement. Salut. Voilà. Je vous laisse. Salut, à plus. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi vite parce qu'on ferme bientôt. Je voudrais savoir si mon dossier est complet. D'accord, donc là il faudra revenir demain puisqu'on est fermé cet après-midi. Est-ce que vous pouvez regarder rapidement s'il vous plaît? Je ne peux pas venir demain. Quel est votre nom? Ojeda Mireya. Vous pouvez me l'appeler? Bon, vous avez une carte d'identité? Merci. Alors, d'accord, donc vous êtes étudiante étrangère, c'est ça? Vous arrivez du Venezuela. D'accord, alors... Ojeda. Alors, d'accord. Donc en fait, votre dossier est incomplet, effectivement. Là, il manque deux choses. Je vois qu'il manque la validation de vos diplômes, ça que vous n'avez pas envoyé. Et il manque aussi la photocopie de votre passeport. Mais tout ça, ça vous a été envoyé. Normalement, vous avez reçu toutes les informations par mail la semaine dernière. Vous l'avez, votre mail universitaire? Realmente ese es el cuerpo de Sassoli? Por supuesto que no. Siempre estaba oculto atrás de aquellos extraños títeres. El tipo era muy deprimente. Naruto, ¿qué te pasa? Creo que el número de colas aumenta hasta llegar a completar 9. Fue hace algún tiempo cuando Naruto y yo estábamos entrenando. Vous posez une question. Et cette question, vous devrez m'y répondre. Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Mireya Ojeda. Vous êtes en retard. Allez vous asseoir là-bas, il doit y avoir une chaise de libre encore. D'accord. Alors, il y a plusieurs protagonistes dans cette histoire. Et je vais vous demander, selon vous, qui est le plus responsable de la mort de cette femme? Ouais, j'étais Karnak. En fait, c'est en Bretagne, c'est à la mer, c'est génial. Ah ouais, tu passes à la mer? Ouais. Mais attends, mais en Bretagne, il y a du soleil? Bon, ça se voit un peu quand même, non? J'ai bronzé. Ouais, léger. un peu quand même. Un peu quand même. Ouais.
Salut Mirella, c'est ça? Oui. Je peux prendre la chaise? Merci. Ouais, mais elle va arriver là dans deux minutes. Ah, ok. Ouais. Ça fait un moment. Allô? ¿Me escuchas? Hola, mi princesa, ¿cómo estás? Bien, mami, ¿tú cómo estás? Estamos todos bien por aquí. Pero cuéntame más de ti, ¿cómo te va? ¿Ya te instalaste? Yo quiero verlo todo. Bueno, sí, pero mi habitación es un poquito pequeña, entonces salí a tomar el aire. Si quieres te muestro el paisaje. Mira. Está todo muy bonito. Bueno, va a comenzar a llover un poco, pero si no, está todo muy, muy bonito. ¿Y cómo son los franceses? ¿Te hiciste amigos ya? Bueno, son amables y conocí a algunas personas en la universidad. Ay, pero princesa debería invitarla. Yo le hace una arepa, eso le va a encantar. Y con esos postres que tú haces tan rico, uff, te va a sobrar amigos. Bueno, está bien, puede ser. Pero dime, ¿cómo está mi hermano Robert? Que no me ha respondido los mensajes. Igual de siempre, en lo suyo. Pero tú no te preocupes. Preocúpate de estudiar. Está bien, mamá. Hablamos luego, ¿sí? Te amo. Tu vas t'inscrire et tu auras tout le matériel. Bien organisé, tu recevras tout cela. D'accord? Donc vraiment très important. Allez, on commence. Bonjour. Donc ce mot, je pense que tu le connais, mais on va le prononcer ensemble. Bonjour. Bonjour. Très bien. Donc c'est le mot principal pour saluer en français. On l'utilise le matin, l'après-midi. Nous allons maintenant voir quelques concepts fondamentaux de la prononciation et du français en général. En français, c'est très commun. En fait, j'avais une idée pour l'exposé. C'était peut-être parler de galactose dans le système digestif, par exemple, de cheval. Je ne sais pas si ça vous va. Mm-hmm. Est-ce que vous voulez que je vous montre? Vas-y, vas-y. Vas-y. Voilà, je pense qu'on pourrait commencer par ça. Alors, système, on n'oublie pas le Y, hein, et digestif, voilà. Donc, ce sera, ouais, je pense que galactose dans le système digestif, ce sera bien. Donc, on peut donc bosser sur le galactose qui sera donc dans le milieu. On pourra vraiment le voir dans la situation dans laquelle il est utilisé. Donc, on peut utiliser, voilà, galactose de cheval ou galactose d'humain, par exemple, dans le système digestif d'humain. Ça fait longtemps que t'es arrivée en France ? Non, ça fait quelques jours. Et ça va, ça te plaît pour l'instant ? Oui, c'est très bon. Et pourquoi la France ? Je suis venue ici pour faire mes études. Ok. Tu viens d'où, toi ? Venezuela. Ah, c'est vrai ? Oui. Je connais, j'y ai passé des vacances il y a quelques temps. Ah bon? Ouais, c'est vraiment un pays magnifique. Hein. T'as beaucoup visité? Non, je suis restée à Caracas surtout. On avait un hôtel là-bas, près de la plage. C'est cool. C'était vraiment bien. On a passé notre temps à bronzer. Allô? Ouais, ça va et toi? Bah écoute, je viens de sortir de la fac. Ah bah ouais, ouais carrément. Ouais, bah tout... Ouais, je te rejoins. Bye. Excuse-moi. Thank you.
Par hasard, t'aurais pas du maquillage sur toi? Peut-être. Je vais voir. Tu me sauverais la vie. J'ai seulement mascara et un gloss à tous. Le gloss, c'est parfait, merci. Super. Et toi, tu sors souvent sur Lyon? Ouais, je connais pas mal de bars. C'est vrai? Tu vas où? Je me rappelle pas trop des noms. Ah ouais? Et tu sors avec tes potes? Tu t'es fait des amis ici? À 19h30 chez moi. Je finis à 18h, ouais. 19h30, c'est bien. Ouais, on sera... Je sais pas combien on sera un peu nombreux, mais... Bon. Non, je sais pas du tout s'il sera là. Allez, je te laisse, à toutes. Bise. Salut. Salut. Ça va? Bon. Et toi? Ça va, merci. Tu prends le train tous les jours avec moi? Ouais. Tu es à l'université de Lyon 1? Ouais. On habite dans le même bâtiment. Je te vois souvent dans le couloir. Ah ouais, c'est vrai. J'ai entendu que tu parlais d'une soirée, tu fais la fête ce soir? Ouais. C'est cool? Ouais. Ah ouais, c'est cool. Tu fais avec des amis? Mmh. On sera 8-10 amis, ouais. Le professeur me pâtira, c'est impossible, cette chose, c'est pas vrai, etc. etc. C'est... Mais vous pensez que ça nuit à leurs études, en définitive? Comment? Vous pensez que c'est mauvais pour leurs études, en définitive? Cette oui. manière de discuter tout oui. le temps, de... C'est une chose qu'il faut avoir, ils ne sont pas tellement disciplinés. Oui, justement, cet aspect taquin, frondeur, à la fois sceptique, par moments pessimique, si vous voulez. C'est ça que... c'est par ces traits-là que je qualifierais un étudiant français. L'étudiant français... Bonsoir. J'ai ramené des salades pour la soirée et à boire. Ah, mais c'est toi, la fille de ce matin, que j'ai vue à l'arrêt de bus. Ah oui, alors désolée, j'avais la tête dans le cul, j'étais vraiment pas bien ce matin, excuse-moi. C'est pas grave. Bah alors, tu viens? Thank you.
lo supo todo este tiempo. Sus rostros se me hacen conocidos. Él viene del reino de las nueve colas. Allô? Allô Mirella, ouais je t'appelle parce que j'ai un contretemps là, je vais devoir rentrer plus tôt chez moi. C'est vraiment compliqué là avec mon copain, donc voilà, je voulais te prévenir que je vais devoir rentrer plus tôt. Salut Célia, tu rentres quand? Bah à la fin de la semaine là. Pourquoi tu m'appelles maintenant pour me dire ça? Tu m'as dit que c'était à moi et maintenant tu m'as dit que c'est plus tôt? Je vais faire comment moi? Vraiment pas le choix, je sais que je pouvais plus pouvoir venir avant, mais là c'est trop compliqué, faut vraiment que je rentre chez moi là, désolée. C'est très compliqué en France de trouver un appartement. Ils te demandent trop des trucs, trop des papiers. Moi, j'ai pas ça. Je vais faire comment, moi? Je vais me trouver à la rue. Tu sais, c'est la merde. Bah, justement, j'ai un pote là. Il va lâcher sa chambre. Il va faire des visites pour sa chambre. Du coup, je peux te filer son numéro. Je te l'envoie là. Si tu vois avec lui, j'espère que je t'en conseillera. Tu pourras peut-être trouver. Ok, je veux bien. Merci. Sí, hace mucho ruido, pero bueno, no se quedan hasta tarde. Igual me puedo concentrar para poder estudiar. Por ejemplo, mañana tengo una presentación de química orgánica. La verdad, espero no reírme porque el profesor se parece mucho al tío Julio. Ah, es guapo entonces. O sea, quiere decir que es oficial. Ya tengo padrastro. Mamá, dime cómo está mi hermano Robert. No me responde los mensajes, no sé qué pasa. Mejor no me hables de él. Necesito que me respondas. ¿Qué te digo? ¿So algo? Lo mismo de siempre, pero esta vez peor. Es incapaz de controlar sus impulsos. Entonces volvió a pelear y lo botaron de nuevo. Y ahora soy yo que tengo que cargar con todo el gasto. Porque va a regresar a casa. Entonces como no trabaja, bueno, cargo yo con todo el gasto. Y eso no es fácil. Entiendo, mamá. No te preocupes, Yo voy a buscar un trabajo y no te preocupes por mí, ¿sí? Te voy a dejar. Me siento un poquito mal y estoy cansada. Te voy a dejar, mami. Te amo. ¿Qué es esto? ¿De dónde voy a sacar tanto dinero? Yo no tengo para pagar esto. Je suis en train de passer par un mauvais moment. Je suis en train de faire une crise, je ne sais pas quoi faire. Rejoins-nous. Là, on est en train de boire des coups avec des copains. Viens. Tu sais quoi, prends quelques affaires, passe à la maison.
Je suis au 19 rue Gambetta. Bonsoir Alix, c'est Mireia, je suis en bas. Ah Mirella, bienvenue. Je t'attends au 7e étage. D'accord. Ok, à tout de suite. Je vous présente Mirella, mon amie de l'université. Enchantée. Viens, va te prendre une place. Je t'en prie, installe-toi. Asseyez-vous. Alors, tout le monde, je vous présente Mirella. Salut. Mirella, je présente Max, que tu connais déjà. Lilo. Veda. Enchantée. Isabelle. Salut. Tu veux une bière? Oui, s'il te plaît. Je vais chercher ça tout de suite. Tu viens d'où? Venezuela. Ah, cool. Attends. ¿Vienes de Venezuela? Sí. ¡Ay! Yo soy chilena. ¿En serio? Sí, podemos hablar en español si quieres. ¿Cuándo llegaste a Francia? Hace menos de un mes. ¿Y qué tal? ¿Te ha gustado? Sí. Sí. Pero, ¿y francés? ¿Es difícil? Sí, es bien difícil. Tranquila, que ya llevo un año y todavía me cuesta, pero va mejor. ¿Y sabes bailar? Sí. Genial, porque tengo un grupo de amigos que vamos a bailar todos los jueves. Y bailamos salsa, merengue. Ay, qué bien, porque yo no bailo tan bien. Pero sí, obvio que puedo hacer. ¿Qué haces aquí, no? Sí. Ay, mira, él también es nuestro color. Pero nosotros pensábamos que en este canapé tú vas a estar más confortable. Ustedes son tres, ¿no? Sí, cuando tenemos tres aquí. ¿Prefieres hablar en español o quieres que intentemos? Si quieres, practicamos francés. Hablar, porque eso es más fácil después por ti. Ok. ¿Está bien? Bueno, Alex me dijo que tú te pas trop bien. Je sais, mais t'inquiète, c'est normal. On a tous vécu ça. C'est pas grave. Bueno, es que tu veux venir. Gracias. Alex, va a buscarla. Ah, qué bien. Bueno. Mireia. Non, c'est pas facile ça. Hein. C'est pas facile. Mireia. Bon, c'est comme quelque chose de plus intéressant. Quelle est la signification? Bonne question, je. Tu sais pas? Je sais pas. Bon, bah, on cherchera tout à l'heure, ça m'intéresse. J'ai jamais entendu ce prénom. D'accord, non, je sais pas, vraiment. Ok. C'est un prénom commun au Venezuela? Je connais pas beaucoup de Mireia, mais okay. Du coup, je pense que non. Ok, très bien. Bah, bienvenue à toi, Mireia. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. On s'est rencontrés, on était dans des équipes adverses, donc au début, c'était un peu... voilà, ouais, je me souviens. C'était pas... On n'est pas parti du bon pied. Ouais. Et finalement... Donc voilà, c'est cool, hein. Tu verras ici, il y a toutes sortes de personnes, on s'est rencontrés dans toutes sortes de contextes. Ouais. Tout le monde a l'air sympa. Cool. C'est vraiment cool. Vraiment, merci. Hein. Bah, il manquait plus que toi, écoute, j'ai envie de te dire. Et ça me fait très plaisir que tu sois là. Veda adore ça, tricher. Mais j'ai appris ça avec mon amie albanaise, elle m'a dit culturellement, chez nous, on triche, c'est normal, ça fait partie du jeu. J'ai dit ok, alors maintenant, moi aussi, je dois tricher, sinon... J'ai un train de retard. Tu trichais aussi au foot. Alors au foot, non, parfois, faites attention à avec elle. Si mettre des petits ponts, c'est tricher, alors oui, je triche. Tu lis quoi exactement? Elle a très bon goût, hein, je vous préviens. Actuellement, je suis en train de lire un des mangas de Naruto. Ok. Okay. Vous connaissez? Ouais. Naruto Shippuden, Kakashi. J'adore Kakashi. Mais GTO, j'ai adoré aussi. Est-ce que tu connais? C'est avec un prof un peu fou. Oui. Oui, One Piece, Dragon Ball Z, les classiques. Oui, les classiques. Mais mon grand préféré, c'est Naruto. Je ne sais pas. Je suis perdu.